ça, j'ai pas l'air d'une vraie Marseillaise. Mais c'est du Nord, ça se voit, c'est tout. Oh, et bien je suis sûre que si moi je le veux, hein, je peux être beaucoup plus Marseillaise que vous, hein. Mais enfin, Sandra, tu es de Calais, c'est pas possible que tu sois une fille du Sud. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Arrête, hein. Ouais. Mais tu vas te calmer deux secondes, ma petite, je t'explique, hein. Moi, je te donne rendez-vous tout à l'heure chez Fonfon. Tu vois qui c'est, hein? C'est dans ton coin, hein? Et ben, tu verras, je te prépare une grosse surprise. Aussi grosse, même peut-être plus grosse que la sardine qui a bouché ton vieux porc. Tu vois ce que je veux dire? Peu cher. À ton jouet. Ah, ça c'est fier, un Marseillais et une Marseillaise, même temporaire, je ne vous raconte pas. Ce soir, dans RTL Family, Sandra Lou en a le cœur fendu. Je coupe comme ça? Oui, c'est la bonne taille. Je savais. Ah, vous êtes là. Alors justement, hein, si je me trouve ici, c'est pas parce qu'on est en train de tourner une émission avec Gordon Ramsay ou une autre émission de cuisine, non, non. Ici, on est chez Fonfon, l'adresse incontournable de Marseille, je vous jure. Et à côté de moi, monsieur le grand chef de cuisine, Denis. Ça va, Denis? Oui, très bien. Ça va. Ça va bien. Alors, pourquoi je suis passée derrière les fourneaux, hein? Et bien justement, parce que je voulais donner une bonne leçon à Julie. Enfin, une leçon de cuisine, hein, bien sûr, Denis. Toulousaine se doit de mitonner le cassoulet. Une strasbourgeoise, eh ben, elle se doit de savoir maîtriser la choucroute. Alors moi, en tant que vraie Marseillaise, voilà ce que j'ai envie de devenir, eh ben, je me devais de maîtriser, évidemment, la bouillabaisse. Alors, le top, c'est de travailler avec un chef comme Denis. Aïe. Tiens, Denis, explique-leur pourquoi ça s'appelle une bouillabaisse. Alors, le nom bouillabaisse, c'est en deux noms. C'est ça boue et ça baisse, tout le long de la recette. Eh ouais. Alors là, justement, bah, ça bouille pas, hein. Mais en tout cas, j'en connais une qui va rabaisser son caquet. Eh ouais. Avant de faire goûter à Julie la bouillabaisse de Sandra, nous sommes allés demander aux Marseillais ce qu'ils aimaient servir à leurs amis du Nord. Qu'est-ce que je lui sers à table? Personnellement, un bon plat de lasagne. Une ratatouille. Courgettes, aubergines farcies. Un bon plateau de fruits de mer, ouais, typiquement. Plancha de Supion. Les Supions, c'est des petites pieuvres à la plancha. Super. Je ferai goûter sûrement un petit poisson pêché du jour avec des frites. La bouillabaisse, bien sûr, que ma mère faisait d'une façon merveilleuse. On a entendu parler de la bouillabaisse. C'est ça? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. De poisson. Saint-Pierre, araignée, Beaudroit. Il y a tout la langouste. On peut mettre ce qu'on veut, des sarans, des girelles. Et pour manger une bonne bouillabaisse, il faut se lever de bon matin. Préparer la partie de l'eau fraîche et dire des blagues avec les mains. Alors, elle est comment ma bouillabaisse? Elle est délicieuse. J'ai pas bien entendu, elle est comment? Elle est délicieuse. Ah, ça je te le fais pas dire, hein. Une bouillabaisse préparée par Sandra Lou, une vraie calaisienne. Elle est délicieuse. C'est bon, tu filmes, hein? Donc, je suis comme qui dirait une vraie Marseillaise. Ah oui, pour la bouillabaisse, oui. Par contre, pour l'accent, non, pas du tout. Quoi? La vérité, tu me fends un cœur. Et maintenant, passons à l'accent du divertissement avec Police Academy 3. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas revus, les petits gars du commandant Lassard, eh bien, ils sont toujours aussi gonflés. Excellent week-end à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de RTL9 Family à Marseille.